Eric Legault & Co. de chez Galago Music pour vous présenter aujourd'hui Sweet Home Alabama, le grand titre de Lynyrd Skynyrd. C'est le nom du groupe et la manière de le prononcer. Donc c'est une chanson qui est sortie en 1974 sur leur deuxième album, Second Helping. Et en fait, c'est une chanson qui a été composée en réaction à deux autres titres de Neil Young dans lesquels il dénonçait en fait le racisme dans le sud des États-Unis. Voilà pour la petite note historique. Et c'est à présent l'heure de la Galago promo. Allez visiter galagomusic.com. Si vous souhaitez participer à hauteur de quelques euros, vous pouvez à présent le faire via le Galagoton. Voilà, vous allez sur le site et puis c'est bien indiqué. Normalement, vous devriez vous y retrouver. Voilà. Bon, et ben je vous montre les positions d'accord. Je vais vous faire certainement deux versions. Une version un peu plus light que celle que j'ai jouée au début. Et une version, voilà, la version costaud du CD, quoi. Bon, à tout de suite. Donc voici les réglages de l'ampli, je suis sur le canal clair. J'ai mis pas mal de gains pour avoir un petit son crunchy, comme ça. J'aurais pu rajouter plus de basses, mais je craignais que ça ronfle un peu trop, comme sur le premier enregistrement d'Under the Bridge, là, le tuto que j'avais fait. Les médiums et les aigus. Et sur la guitare, je suis sur le canal, sur le micro chevalet. Voilà, voilà. Alors, voici la première version des accords que vous pouvez faire pour vous accompagner. Donc, voici la version light de la main gauche. Vous commencerez par un accord de Ré majeur. Le petit triangle, hein, le majeur en deuxième case ici, troisième case et deuxième case. Vous bloquez le gros mi avec le pouce sans trop appuyer. Et vous grattez tout. Normalement, le La. Enfin, si on veut sonner en mettant la fondamentale à la basse, ce serait de commencer l'accord sur la corde de Ré. Mais bon, on s'en fout, on gratte tout. Le La fait partie de l'accord. Le deuxième positionnement, vous rajoutez le petit doigt en troisième case du petit mi. Celui-là ne bouge pas. Et vous déplacez l'index et le majeur en troisième case de l'accord de La et en deuxième case de l'accord de Ré. Voilà. Vous grattez tout. Vous pouvez essayer éventuellement avec celui-là d'allonger un peu le doigt pour qu'il touche la corde de mi. Vous voyez, tac. Et comme ça, la note, elle est bloquée, quoi, on ne l'entend pas. Et le troisième accord, vous gardez ça en place, et ces deux-là se ramènent une corde vers vous. Et là, vous grattez carrément tout, d'accord? Ça donne Ré, le petit doigt en truc, Do à de 9, et Sol majeur. Voilà. Donc avec ça, déjà, on peut vachement bien se débrouiller. Je vais peut-être commencer par vous montrer la rythmique qu'on peut faire par-dessus ça, et je vous montrerai pour la version bis. Donc voici la première façon d'accompagner à la main droite. Donc là, on va pas jouer directement dans les cordes de la guitare. Elle est fausse, ma gratte, je suis désolé. J'ai beau faire des trucs, il faut absolument que je la fasse régler. Donc la rythmique en question, elle ferait... Bah, 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 bah,
donc moins vite. Bas, 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 haut, bas, haut, bas, 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 haut. Encore une fois. Bas, 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 haut, bas, haut, bas, 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 haut. Vous voyez, quand je fais le, c'est que ma main elle descend sans gratter, ce qui fait que mon aller-retour s'arrête jamais. Bas, 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 haut, bas, haut, bas, 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 haut. Ok, vous essayez avec les accords. Alors le truc, c'est qu'on va changer d'accord en cours de route dans cette rythmique. Ça va donner ça déjà, je vous le fais une fois. Bas, 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 bas. Ok. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Le ré et le do sont les deux accords qui vont se placer dans une rythmique de main droite. Ça va faire ça. Bas, rien. Sur ce O là de main droite, vous rajoutez le petit doigt en troisième case de l'accord demi pour préparer l'accord de Do Ad 9 qui va arriver. Ça donnerait ça. Donc, bas, 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 haut, bas, haut, bas, 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 haut. D'accord ? Je recommence. Donc sur le dernier O, j'ai ôté volontairement ces deux doigts là, comme ça, pour le prochain bas, ils seront prêts à attaquer le sol. Et sur le sol, on a toute la rythmique de main droite. Donc comme ça, on n'est plus embêté. 3, 4. Bas, rien. Bas, bas, haut, bas, haut, bas, 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 haut. Et le sol. Bas, 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 haut, bas, haut, bas, 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 haut. Et là, pareil, j'enlève volontairement tous les doigts, sauf celui-là, parce qu'il est en commun avec l'accord de Ré. C'est votre doigt pivot. Donc si vous n'êtes pas trop habitué, bossez beaucoup sol, vers Ré. Un peu faux. Si vous utilisez ce positionnement-là de sol, ça marchera moins bien. Alors voilà. Donc normalement, voilà, c'est la version 1 avec laquelle vous pouvez vous accompagner. Voilà, donc c'était la version 1. Version 2. Alors, là, on va pas être obligé d'avoir les accords complets ce coup-ci, puisque les notes sur lesquelles on va jouer n'utilisent pas le petit mi. Donc sur l'accord de Ré, vous pouvez faire le Ré sans le majeur. Sur l'accord de Do à 9, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de rajouter le petit doigt. Et sur l'accord de sol, vous pouvez le mettre éventuellement si ça vous dit, mais c'est pas obligé. Voilà, l'avantage de le laisser en l'air, c'est qu'il est tout de suite prêt à réattaquer. Bon, sinon, vous pouvez garder les positions comme je vous ai montré, hein. Mais disons que là, c'est pour optimiser un petit peu le mouvement. D'accord ? Alors, rapprochage, pour vous montrer un petit peu comment se passe le choix des cordes et le choix des notes. Excusez-moi, ça ne tient pas en place, j'essaye de faire diversion en parlant. Voilà. Donc voilà le truc. Alors déjà, il faut savoir que je joue avec un ticket de métro, ce que j'ai plus de Mediator, c'est un truc de ouf. Les seuls que j'ai, là, ils sont un petit peu pas bien. Donc du coup, je joue avec ça. Donc vous vous placez en position de Ré tronqué, ou Ré majeur, voilà, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est que vous tapiez bien la corde de Ré. Oh là là, qu'est-ce que c'est faux, ouais. En fait, c'est en fonction de l'appui que je donne. La note, elle peut être... Bon, voilà. Re. Voilà la première façon de travailler, d'accord ? Ré, Ré. Deuxième position, vous vous placez en Do 9e. Pareil, il n'y aurait même pas besoin de l'index. Vous grattez deux fois la corde de là. Voilà, donc en fait, j'ai gratté deux fois celle-ci. Et j'ai regratté comme précédemment... La corde de Si et la corde de Sol, qui est un peu plus juste quand elle était vide. Et ensuite, la corde Sol. Lui, c'est pareil, j'aurais même pas besoin de rajouter l'index, parce que de toute façon, on n'utilisera pas la corde de La, on ne grattera pas. Et si vous voulez pas qu'elle sorte, vous allongez un petit peu le doigt comme ça pour qu'elle est bloquée, comme ça, voilà, vous n'êtes pas embêté. Donc, je recommence.
Étape 1 de ce deuxième système de travail. Alors, boum. Voilà, et sur le sol, vous filez une petite pichenette comme ça sur la corde de ré, la corde de sol. À la bonne vitesse pour voir. Oh là là. Alors, ce qui n'est pas évident, ce qui me faisait peur un petit peu dans les explications de ce morceau, c'est que si on veut le faire sonner, on ne peut pas se contenter de gratter ces deux-là comme ça l'une après l'autre. En fait, ce qu'on entend dans le morceau, vraiment, c'est plutôt. Vous voyez, il y a une note qui est piquée, elle est courte, et l'autre, on la laisse sonner. Je la bloque avec la paume. D'accord? Cette partie-là de la main. Ah. Ouah. Là, il n'y a pas d'autre moyen de la bloquer puisque c'est une corde à vide. Sur la corde de La, ici sur la position du Do à 9, l'avantage c'est que comme c'est fretté, on va pouvoir faire. Je l'appuie une fois, je relâche la pression pour faire une ghost note, et je la regratte derrière, ce qui donnerait. Et pareil sur le sol. Recommence. Pas forcément évident, hein. C'est un truc plutôt assenti. Enfin, faut le bosser dans le détail, mais après, il faut que vous l'écoutiez beaucoup pour essayer de choper à l'oreille et le reproduire. D'après, qui est super cool. Ça me dérange beaucoup, hein, ces cordes qui sont fausses, là, c'est vraiment navré. Donc, le plan en question. Alors, je fais quoi? Je démarre de la corde de La à vide. Je fais un hammer-on en deuxième case. Ensuite, la corde de Ré à vide. Deuxième case, pareil, hammer-on. Et pull-off. Déjà ça. Ça rappelle un morceau, ça. Dun, 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 dun. Bref. Dun, dun. Je sais plus quel morceau c'est. Donc. Et la note Do. Il manque deux notes derrière. Vous travaillez ça beaucoup déjà. Et la fin du plan. La corde de Sol, la maudite corde de Sol. En deuxième case. Et. Pull-off, ouais, pull-off pour le faire en zéro. Donc. Voilà, donc j'incruste un peu j'incruste la tablature là, je le rejoue, hop, clac, ça vous voyez les doigts, et la tablature au-dessus, ce qui donnerait. Et après de cette note-là, on recommence en ré. Autre plan derrière qui fait ça. Ou alors, selon la guitare que vous avez. Là, je fais les exemples sur guitare électrique, parce que je trouve que ça claque bien. Je vous ferai une démo à la fin en acoustique. Tout ce que je vous montre là, vous pouvez le faire en acoustique. Hein. Que vous ayez une classique, ou une folk, ou une manouche, ou machin. Derrière, il y a la manouche qui est là. J'ai changé les cordes. Voilà, je vous ferai une petite démonstration sur la fin du coup. Bref, on en revient à notre second plan de ouf, qui fait. Un plan un peu bluegrass, comme ça, un peu country. Le sol à vide, ah, tout se passe sur le sol, merde. Alors, ça va être faux, hein, je vous le dis. Enfin, ça va être faux au niveau du son. Ce qui donnerait, au niveau des notes. Ça, c'est toujours très drôle à jouer, on peut aller très très vite. Ça rappelle un peu Thunderstruck, d'ailleurs. Je sais, je vais avoir des demandes maintenant que j'en ai parlé, ah, con. Alors, ça fait ça. Le sol à vide, j'appuie sur le 2 de la 7ème corde, pull-off, et après avoir fait ce pull-off, je regratte le sol à vide. 1,
tin, tin, da, tin. Après, c'est le même plan. Tin, tin, tin. C'est, voilà, note, fretté, pull-off et regrattage à vide. Note, pull-off, regrattage à vide. Et là, sur la version du CD, la version électrique, on a un bend ici en cinquième case jusqu'à cette hauteur-là. La note du Ré. D'accord, ce qui donnerait... Oh là là, voilà. D'accord. Comme j'avais pris l'habitude de jouer sur l'acoustique, moi ce que je faisais, c'est que je slidais directement sur la note cible, c'est-à-dire sur le Ré là. Voilà, faut pas trop le serrer. C'est vraiment tin 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 tin. D'accord, comme une machine à écrire. Tin 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 tin. Pour le doigté, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez tout faire avec l'index. Je fais quoi d'ailleurs? Je sais même pas dans l'action. Hein. Index. Et je slide avec l'annulaire, mais voilà. Ça, c'est vous qui voyez. Je vous enchaîne maintenant. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà. On peut toujours créer des dynamiques comme ça, de mouvements, d'images, voilà. Je recule un peu le truc. Mouvement d'image. Donc tout depuis le début. Hop. Avec ça, vous pouvez faire tourner tout le morceau déjà. Hein. Voilà. Je vais vous montrer encore 2-3 petits plans comme ça, et puis je pense qu'on aura fait le tour. Bon, alors évidemment, il y a plein de guitares dessus, j'aurais pu vous montrer d'autres plans. Ça, c'est vraiment la version pour pouvoir vous accompagner. Là, vous êtes tranquille avec cette deuxième version là. Bah, vous brillerez bien en société si vous arrivez à bien enchaîner tout ça, notamment les mutes de notes, vraiment ce truc-là. C'est pour ça que j'ai mis du temps à le faire, ce cours, parce que j'arrivais pas à le conceptualiser dans ma tronche. Là, je me disais, comment je vais expliquer ça? Bah, en fait, voilà, en le montrant, quoi, et en le faisant écouter. Après, on peut rajouter des petits coups en plus, hein. La petite note, là, voilà, elle est passée dedans, on n'est pas rendu compte. Voilà, c'est un peu une torture pour moi de vous montrer des trucs avec une gratte qui fait chier, qui est belle mais qui fait chier. Alors, les quelques petits plans en plus. Par exemple, dans le couplet, quand il est en train de chanter, machin truc. Après le sol, il y a souvent possibilité de faire varier. On n'est pas toujours obligé de faire. Il y a un autre plan qui est vachement cool qui fait. Qui ramène après au Ré, genre. Voilà. D'accord, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le La à vide. Attendez, je me rapproche un peu. Voilà, voilà. 0, A en 2, Ré à vide. Non, c'est comment? Oui, c'est ça. 0, A. D'accord, et juste après ça. Vous essayez de choper la corde de sol et la corde de si. D'accord, frac. Fais con, mon ticket de métro est con. Tac. Et ce qui est, pour que le plan soit chouette, il faut que dès que vous ayez gratté ces deux petites notes-là, vous bloquiez avec pareil la paume, crac, pour faire une note piquée. Tin, 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 tin. Et ça, c'est la fin. Tin, 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 tin. Et je regarde ça derrière. Et voilà la fin du plan. Dun, 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 dun. Encore. Dun, 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 dun. Ah, dommage. Dun, dun, dun. Voilà. Un peu plus vite. Dun, dun.
J'allais oublier de vous parler du gros plan du milieu là qui déchire tout. Alors franchement, bossez-le bien. Parce que ça vous fera bosser des plans assez, assez récurrents qu'on trouve chez Hendrix. Et je vais faire un cours prochainement concernant les accords de ce type-là. Alors, petite digression. Essayez de choper cette position-là. C'est une position d'accord majeur. C'est comme si vous aviez un accord de La majeur ici. Ouais. Et vous montez par exemple à la cinquième case. D'accord ? Sauf que si on veut conserver les mêmes écartements, il faudrait que du coup cette note-là elle soit frettée. Celle qui était à vide là. Tac. Si je monte ça de 3, la corde à vide elle monte de 3 aussi. Donc 0, 1, 2, 3. Crac. Et je ferai comme si j'appuyais comme ça. Il y en a qui le font comme ça. Moi je n'y arrive pas. Je le fais comme ça. Essayez de choper cette position là. C'est pas simple. Hein. Franchement, moi j'ai super galéré. Voilà. Il faut soulever un petit peu au bout aussi pour pas que le petit mi sorte. Avec ça, on pourra faire des plans super cool. Genre. Bref, des enjolivements assez facilement. Donc, le plan de la mort. Alors, vous commencez en septième case de la corde de la. Et avec un seul coup de médiator, vous allez faire une montée chromatique. 7, 8, 9. D'accord, des petits hammer-on. Dès que cette note-là est jouée, vous placez l'index là. En fait, c'est issu de cette position-là, justement. Sauf qu'on a gardé que la petite cartouche intérieure, là. Et pareil, dès que vous l'avez joué, celui-là, on le pique. Voilà. 7, 8, 9, 7, 7, 7. 7, 7, 7. Ensuite, 5 à 7 en slide. Et on voit bien, voilà, le si est de tête, parce que sinon, on s'y paume. Je refais le premier plan, j'enchaîne sur le deuxième. Non. Ah, il est où le mi ? Il est là. Deuxième plan. C'est le même principe. Cet accord-là, la petite cartouche qu'on a ici, elle est issue de cette position-là. Tac. Donc. D'accord. 5-7 en hammer-on. D'accord. On peut rejouer celle-là. Et la fin. 0, le la vide. D'accord, 0, 2, hammer-on, le ré vide. Et encore le corde de sol ici ensemble. Sol, troisième case du gros mi. La fin encore une fois, 0, 2. Avec la tablature bien sûr, hein. 0, 2, 0. Piqué. Au niveau des piquets, vous constaterez que je mets la paume quasiment uniquement quand j'ai des cordes à vide, parce que j'ai pas le choix. Par contre, sur ces accords-là, là, je place pas la paume, ça n'a pas besoin. Juste, j'enlève la pression du doigt. Je vous refais tout le plan. Là, j'ai fait un bébé slide. Garder la pression du doigt et je visais déjà, mon œil était déjà en train de regarder ici. Le slide c'est juste la conséquence de mon mouvement. Ah, oh, c'est bien dit ça. Encore. Pareil, slide. Voilà, ça c'est la première fois. 3, 4, la deuxième fois. C'est pareil. Cinquième case, là, 5, 5, 5, 5. Il y a le joli accord égrené de morceau de Queen, là. Mama, just kill my... Marrant. Voilà, une dernière fois dans le mouvement, maintenant. 3, 4.
Avec ça, c'est toujours super. Le 0-2 là, de la corde de là. Et on repart. Deuxième version. Big wings. Après, vous pouvez gratter dans les cordes. Hein. Il y a aussi la technique du un peu à l'arrache. Essayez quand même de bosser le premier proprement, le ré. Après les deux autres, on peut modifier, on peut faire un peu à l'arrache, ouais. Voilà, après vous voyez, vous disposez la main droite un peu comme vous voulez. Vous pouvez utiliser la première rythmique du premier exercice, mélangée au fait que les notes sont piquées. Tan, tan. De toute façon, quand vous passez en mode rythmique, vous ne lâchez pas l'affaire. Grâce pas mon Jack. Vous lâchez pas l'affaire de l'aller-retour de main droite. Comme ça, vous serez en place. D'accord? Y aurait-il un dernier truc? Oui, un dernier tout petit plan qui est cool, qui est en fait le plan que fait le pianiste. Tapatatin. Qui peut être doublé. Qui peut être doublé par la guitare, et ça fait ça. Ça, c'est cool. Ré, normal. Zéro à vide. Hammer-on. Slide. J'écrase le doigt. Zéro, deux en hammer-on. Slide. Quand vous finissez en sol majeur, astuce beau gosse 2, bien qu'il n'y en ait pas une, mais bon, j'estime que quand la version acoustique elle est bien réussie, c'est vraiment beau gosse. Le dernier truc, dans les morceaux en sol, vous avez par exemple la possibilité de faire sonner à la fin des harmoniques. En mi mineur, vous savez qu'on pourrait faire sonner les trois dernières cordes aiguës, là, sur la 12e case. On pourra faire la même chose en 5e case, comme on a dans le plan... de tout à l'heure, quoi. Et ça peut terminer un morceau vraiment chouette. Donc disons que c'est la fin. Oh merde, raté. Un truc comme ça, on va dire. Voilà. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce cours était à la hauteur de vos attentes. J'ai eu un petit peu de mal à conceptualiser comment expliquer ce morceau, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps aussi à le proposer. Voilà, donc j'espère que vous pourrez en tirer le meilleur. Enfin, en tous les cas, moi j'ai essayé d'offrir le meilleur de ce que je sais faire pour pouvoir vous transmettre quelque chose. Donc n'hésitez pas à me faire des covers, justement ça me fera plaisir de voir que ça fonctionne, quoi. Enfin, en tous les cas, je l'espère. Il me reste à vous dire à bientôt, ciao! Vous pensiez que c'était fini, mais longtemps que vous n'avez pas entendu. Quelle la musique. C'est que c'est pas terminé. Juste un petit aperçu des prochains cours qu'il va y avoir. Comme j'ai remis des cordes à ma guitare manouche, je m'y suis remis un petit peu. Voilà, je pense que je vais pouvoir vous montrer des trucs comme ça très bientôt.